Salut à toutes et à tous, c'est Atomium et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reload, de l'émission qui, comme vous le savez, est dédiée à tous ces jeux que l'on ne doit pas oublier. Alors l'épisode d'aujourd'hui est un petit peu particulier, étant donné qu'il concerne une saga qui fait encore parler d'elle aujourd'hui, et pourtant je pense que notre mémoire a effacé pas mal de choses, et donc est nécessaire absolument une piqûre de rappel. Je veux bien sûr parler de la saga culte d'une référence en matière de survival horror, Resident Evil. Shinji Mikami, voilà bien un nom qui fait maintenant office de référence lorsque l'on parle de jeux vidéo, mais autant vous dire qu'en 1990, on était bien loin de tout ça, et ce game designer a encore tout à faire pour se faire entendre. Sachez qu'on lui doit quand même de bonnes idées de gameplay dans deux jeux de la Super Nintendo estampillés Disney. Le premier, Goof Troop, est un titre dans lequel vous pourrez jouer en coopération avec Dingo et Max. D'ailleurs, c'était un jeu plutôt sympa qui sut faire le bonheur de pas mal de joueurs de ma génération. Le deuxième n'est autre que Aladdin, une très bonne adaptation du dessin animé du même nom, et même si la qualité du titre est au rendez-vous, Mikami a de plus grandes ambitions, notamment un souhait profond de créer un jeu en lien avec sa passion, les films d'horreur. Capcom est sous le charme et lui donne sa chance en le nommant réalisateur à la tête d'une bonne petite équipe. Après avoir imaginé un jeu en vue subjective, il a finalement été décidé de créer un jeu découpé en plans 2D fixes dans lesquels évolueraient des personnages en 3D avec un effet de perspective pour donner du relief à tout ça. Cette technique avait déjà été vue dans Alone in the Dark en 1992 sur PC et avait largement fait ses preuves dans un jeu plébiscité par les joueurs. C'est donc après beaucoup de travail et d'acharnement qu'est sorti en 1996 le premier volet d'une saga qui existe encore aujourd'hui, Resident Evil. En fait, le nom original était Biohazard, et il est d'ailleurs encore utilisé au Japon, sauf qu'en Occident, eh bien, c'était aussi le nom d'un groupe d'heavy metal, et donc question de droit d'auteur, ça n'a pas pu passer. Allez, sur ce, accrochez-vous, on lance de suite le jeu. Ah, mon dieu, ce son. Oula, rien qu'à l'écran titre, on sait déjà où on met les pieds. Enfin, plutôt les mains. Pour débuter votre aventure, vous avez le choix entre deux protagonistes, correspondant chacun à un mode de difficulté. Chris Redfield et Jill Valentine, alias mode normal ou mode facile, mais on en parlera plus longuement après. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien un court-métrage qui fait office de vidéo d'introduction de ce premier Resident Evil. Alors c'est vrai que ça croise un peu le cinéma et le jeu vidéo, et du coup, pour l'occasion, eh bien je vous propose qu'on passe de suite en mode scène de jeu. Et si vous vous demandez pourquoi une écharpe rouge, eh bien sachez simplement que c'est un accessoire indispensable pour faire ce genre d'analyse. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. L'histoire se déroule en 1998, suite à un incident dans les montagnes près de Raccoon City. Le STARS est envoyé pour enquêter. Il s'agirait du décès d'une randonneuse qui se serait faite attaquer par une bête sauvage. C'est d'abord l'équipe Bravo qui ira inspecter les lieux, mais étrangement, ils ne donnèrent plus de nouvelles une fois arrivés. Une deuxième équipe est donc envoyée sur le champ, l'équipe Alpha. Mikami va jongler là avec les codes du cinéma d'horreur, en alternant les plans très rapidement, assurant une visibilité de l'action très limitée pour inquiéter son spectateur. Le filtre noir et blanc n'aidant en rien, cela permet d'afficher un haut niveau de violence sans tomber dans le gore affichage de sang. Du côté des STARS, vous le voyez, ils sont très vite attaqués. Seuls 4 d'entre eux arrivent à s'enfuir pour finalement s'enfermer dans une sombre demeure, le manoir Spencer. Vous le voyez, Mikami a ici compris que pour mettre le joueur dans une ambiance horrifique, eh bien, il fallait du calme. Il fallait une ambiance posée et surtout, avant tout, de la sobriété. Chris Redfield. Bon, je reconnais, là, je sais pas trop ce qui lui est passé par la tête. Capcom, sans doute, enfin bon, peu importe. Jill Valentine. Resident Evil. Vous voilà donc face à la première image du jeu. Ont survécu Wesker, Barry, Jill et Chris, et c'est ce dernier que nous avons choisi de contrôler. Vous pourrez donc dorénavant commencer à vous balader dans ce sombre manoir à la recherche des autres membres du STARS, pour pouvoir ensuite partir de ce lieu sordide.
Après avoir fait connaissance des lieux avec une salle à manger inquiétante due au bruit de l'horloge qui vous maintient en stress, vous pourrez découvrir avec stupeur le premier habitant de l'aventure. Miam miam miam, un zombie! Si dans les Resident Evil actuels on a plutôt affaire à des créatures glauques, il était bel et bien question de zombies dans ce premier épisode. Notez que contrairement à Jill, Chris n'a qu'un couteau pour se défendre en début d'aventure, ce qui ne rendra pas les choses faciles. Mais bon, le risque est à prendre parce que si vous le tuez, vous pourrez récupérer les deux chargeurs qui sont sur la dépouille de votre collègue qui vient de se faire manger. Après cette découverte, il faudra naturellement retourner voir vos alliés dans la salle centrale pour constater que vous êtes finalement seul, car oui, c'est connu, quand on arrive dans un manoir juste après avoir subi une attaque de bête enragée, on s'isole! Et vous pourrez donc récupérer l'arme de votre partenaire au sol pour enfin commencer le véritable cauchemar. Côté technique, on peut dire que ces graphismes peuvent faire sourire à l'heure actuelle, mais sachez qu'à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux, et je peux vous dire que la peur était au rendez-vous. La progression se fait de façon plus ou moins ouverte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller où bon vous semble, mais il faudra trouver un certain nombre de clés pour avoir l'accès à l'ensemble de la zone. Tout cela se fera en enchaînant les énigmes reposant sur plusieurs principes, je peux vous donner d'ailleurs quelques exemples. Prenons celle-ci, il sera question d'appuyer sur des boutons dans le bon ordre. Sur les murs sont accrochés des tableaux représentant une personne à différents âges, et on vous demande sur le dernier d'entre eux de, je cite, « le guider jusqu'à la mort ». Il faudra donc appuyer sur les boutons sous les tableaux allant du plus jeune au plus vieux, rien de bien compliqué en somme. L'autre type d'énigme très courant est celui qui consiste à chercher des objets pour passer une épreuve, par exemple cette plante en plein milieu de la salle qui vous attaquera sans cesse jusqu'à ce que vous la tuiez en utilisant de l'acide dans la pompe de la fontaine qu'elle occupe. Une mort assez gore soit dit en passant. Alors le côté réflexion c'est une chose, mais qu'en est-il de l'argument principal de ce jeu, à savoir la peur? Pour répondre à cette question, je vous propose d'analyser la façon dont est construit le jeu. Vous êtes seul, sans munitions, de nombreuses créatures en veulent à votre vie, et il sera très dur de les tuer car même un simple zombie s'avérera très résistant. Pour vous mettre un peu plus la pression, sachez que pour sauvegarder, il faudra aller dans des pièces spécifiques comportant une machine à écrire, et d'ailleurs, il faudra au préalable trouver des rubans pour pouvoir vous en servir, sachant qu'une sauvegarde égale un ruban, il va donc falloir être économe. Côté gameplay, la démarche du personnage est lourde, il faudra appuyer sur haut pour avancer, et gauche et droite pour tourner. Pareil pour les armes, R1 pour viser et croix pour tirer. Si aujourd'hui cela peut paraître assez aberrant, sachez que le level design est calculé au pixel près pour ce gameplay, et du coup on ne ressent à aucun moment une frustration quelconque. En ce qui concerne le regain de santé, c'est simple, vous aurez la possibilité d'utiliser des sprays ou des plantes devenues depuis emblématiques de toute la saga, tout comme le fait de pouvoir les combiner, par exemple une verte et une rouge qui vont vous donner un objet de soin ultime. Autre point intéressant, le fait que le joueur évolue selon des plans fixes. La surprise est garantie et vous aurez constamment l'appréhension de trouver un zombie sur votre route lorsque vous changez de plan. D'ailleurs, sachez qu'entre chaque salle, vous aurez une très courte séquence en 3D qui va à la fois maintenir l'ambiance, mais surtout camoufler très habilement un temps de chargement sans que vous ne vous doutiez de rien, et ça, c'est du grand art. En bref, tous ces ingrédients font en sorte que vous soyez constamment sous pression, seul face au danger, avec très peu de moyens pour vous débarrasser de vos opposants. Même l'inventaire est là pour vous stresser, 8 emplacements pour Jill et 6 pour Chris. Combien de fois allez-vous devoir faire des allers-retours dans le coffre près de la machine à écrire pour stocker vos munitions ou de précieuses clés pour récupérer des objets propres aux énigmes du jeu? Pour finir, l'histoire est ici très importante et on note le soin apporté au background du jeu lorsque l'on s'attarde sur les documents répartis un peu partout dans le manoir. Le scénario se veut complexe et se dévoile en même temps que certains personnages de l'aventure. Sans vouloir vous spoiler, sachez seulement que vous aurez de quoi faire avec 8 fins différentes, dépendant de vos choix et de la réussite ou non de certains objectifs. Dernière petite chose et pas des moindres, sachez que le titre comporte son lot de scènes inoubliables, comme l'arrivée des chiens ou encore l'énigme utilisant un piano pour jouer la sonate au clair de lune. Les fans s'en souviennent encore aujourd'hui, ce qui prouve à quel point l'expérience de jeu était pour l'époque novatrice et incroyablement riche. Vous vous en doutez bien, c'est un véritable succès mondial pour la PlayStation, et c'est vrai que ce qui est assez hallucinant dans ce jeu, c'est le nombre d'adaptations qui en ont été faites, presque un record. En effet, très rapidement, le jeu sera adapté sur Sega Saturn pour finalement sortir en 1997 une version Director's Cut comportant quelques bonus. Enfin, pour les Japonais, parce que nous, comme d'habitude, on s'est fait avoir, et donc par exemple, nous n'avons pas eu toutes les scènes non censurées. Il y aura également un mode avancé plus compliqué avec des énigmes repensées et quelques nouveautés qui suffiront à faire attendre les fans jusqu'au très convoité Resident Evil 2.
Il y aura également la même année une version PC, et c'est finalement en 2002 qu'on verra naître sur la GameCube de Nintendo la version ultime de cette première aventure baptisée sobrement Resident Evil. Adieu la flémagite aiguë et bonjour à une refonte totale du titre en 3D avec des graphismes somptueux et une adaptation légendaire qui figure encore aujourd'hui comme le titre à faire pour découvrir la saga telle qu'elle a été pensée à l'époque par Shinji Mikami. Pour la petite info, la modélisation des personnages a été faite avec talent si bien que beaucoup de joueurs préfèrent le look de Chris Redfield dans ce volet plutôt que dans Resident Evil 5 dans lequel il apparaît comme un gros bourrin gonflé à la testostérone. En 2006 est sorti timidement sur DS un remake appelé Deadly Silence qui fut ma foi de qualité modeste mais qui aura pu faire le bonheur de quelques nostalgiques nomades. Eh ben, il y en a des choses à dire sur ce premier Resident Evil, et le pire dans tout ça, je vous assure, c'est que je ne vous ai quasiment rien dit. En effet, l'émission est là pour que vous essayiez vous-même les jeux, pour que vous ayez envie d'y jouer, et je vous conseille vivement de faire ce premier épisode de Resident Evil, que ce soit sur PlayStation ou sur GameCube. Alors bien sûr, Shinji Mikami a ici posé les bases, et il faut savoir que ce n'est pas le seul épisode à avoir marqué les joueurs, je pense notamment au deuxième volet, mais ça, on le verra dans un futur épisode de Reload. En attendant, je vous souhaite à tous un bon jeu, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Reload. Allez, salut tout le monde !